On a que l'air pour déjeuner. Oui, bonjour, Marc Mali de Lannion. Je vous remercie pour le débat. Je trouve qu'on parle assez bien. C'est très technique. Moi, je voudrais juste vous donner un avis. Je pense qu'un des problèmes, c'est tout culturel. Donc, je vais vous donner trois exemples. Moi, j'ai travaillé longtemps en Afrique. Puis, j'ai essayé d'être un peu écologique, protéger l'environnement. Les gens là-bas me répondaient la nature, c'est moche. Ça leur foutait le cafard. Deuxièmement, j'ai essayé également de. Maintenant, comme je suis de retour, je fais la cuisine, je fais les achats, mes épluchures. Tous ces produits naturels, ça prend un temps fou à cuisiner. Donc, c'est un problème de société. Comment vous voulez qu'une femme ou un homme qui travaille 8 heures, qui passe 2 heures par jour en voiture, il faut qu'il aille au marché, qu'il fasse ses épluchures. Ça prend un temps dingue, c'est au moins 2-3 heures par jour. Donc c'est plus facile dans le supermarché. Troisièmement, le cliché de l'agriculture, l'agriculteur jardinier de la nature. L'agriculture, c'est le monde de ça, défend la nature, l'environnement. Sans nous, le monde n'existe pas. Je ne critique pas, je vous critique, mais c'est le cliché qu'on a vu. Et c'est du pipeau. Il n'y a qu'à voir comment sont organisées les fermes. C'est un tas de poutres autour des fermes. Les ruisseaux sont plus entretenus, les douves sont laissées à l'abandon, autour c'est des décharges de carcasses de tracteurs, de tôles, voilà. Ça c'est la réalité. C'est parce que nous, on voit. Mais oui, mais si vous voulez améliorer l'alimentation, l'agriculture, c'est tous ces aspects, c'est culturel, il y a énormément de culture. Voilà, merci. Merci monsieur. Madame Jeterriac.